Si tu spoil Outer Wild, tu devrais prison, tu vois, instant. Le mec a pas de demi-mesure. Je pense, les gens arrivent chez toi, la police arrive chez toi et ils t'embarquent direct. Je pense. C'est trop une pépite qu'il faut préserver, tu vois. C'est un peu comme une petite flamme, tu vois. T'as une bougie avec une petite flamme et tu peux donner la flamme à des gens. Et la flamme, c'est dire, joue au jeu, tu verras, c'est bien. Le SWAT arrive, il pète les portes, il pète les Velux. Je mettrai les gens qui spoilent dans une boucle. La cible qui tombe. Oh là là, la console est branchée. Oh là 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 là, on avait fait cette chasse pour ce Pokémon là. Et j'avais que, bon, je sais plus, 30% de chance, un peu plus peut-être, de le trouver. Et il tombe directement le Snubbull Shiny. 487 rencontres. Alors c'est peu, 487 rencontres. Et tu te dis, oh là là, une réaction aussi intense pour un Pokémon en moins de 500 rencontres en Random Encounters. Donc une chance sur 1365. Nous sommes sur Pokémon X. Ici, tous les GG dans le chat. Merci beaucoup, évidemment. Hein, on est sur Twitch. N'hésite pas à nous rejoindre. Le lien dans la description. On a fait cette chasse pour aller chercher Snubbull. Snubbull ici qu'on fait avec un repousse. Alors attention. On se concentre, c'est technique. On a mis un Cryptero niveau 21 en tête d'équipe avec un repousse. Ça permet de supprimer toutes les rencontres de niveau strictement inférieur au niveau 21. Donc, tous les Pokémon qui spawnent au niveau 20 ou moins dans cette zone disparaissent. Ça permet de booster le taux d'apparition de Snubbull et de Gringolem hein, qu'on cherchait ici dans cette zone. Avant Snubbull, on a eu malheureusement un petit indésirable. Merci d'être passé ce soir et à très vite. Putain ! Ah, c'était sûr que j'allais avoir un Cryptero de merde! Oh, vas-y! Mais pourquoi? Pourquoi après 2000... Putain, 2300 rencontres! J'ai envie de manger ma console! Mais voilà, du coup, après 500 nouvelles rencontres à peu près, on tombe enfin sur ma cible. Let's go! On va capturer Snubbull tout de suite. Il n'a rien de problématique normalement au niveau de ses attaques. Hein. Pas d'attaque pour se blesser, donc on va par acquis de conscience, le fauchage. Faire ça bien, faire ça proprement. Pendant que Rouflax à côté vit sa meilleure vie. L'échouille. Ok, je ne suis pas paralysé. Très bien, on va re-sport. Très bien, très bien. Et je vais lancer une bolle. Allez, on va partir sur une petite soin bolle. Elle est bleue et rose, un peu comme lui. Et... Donne. Donne ! Merci. Patibulaire évolue. Oh là là. Bon, patibulaire parce que patibulaire c'est avoir un visage méchant et c'est aussi le méchant dans Mickey et il ressemble un peu à Grumble, du coup on s'est dit pourquoi pas, et Patty pour un prénom et Bulaire pour le nom de famille. Voilà. Ça fait quand même pas mal de refs, tout ça pour ça. Voilà, bon il est vraiment pas rose. Hein. Du coup là, son bol, bon, hey, il a la langue rose, hein. Ça passe non? La bol elle passe, c'est bon, c'est ok. On se retrouve avec Patibulaire, le Grumble qui vient d'évoluer devant tes yeux. Donc Grumble femelle, timide de nature, qui baisse son attaque, augmente sa vitesse. C'est très dommage pour ce Pokémon puisque l'attaque c'est sa meilleure statistique et on perd de l'attaque avec cette nature. Dommage. Intimidation en talent, pourquoi pas, hein, c'est intéressant pour ce Pokémon là. Les attaques normales pour son niveau, rien de particulier et pas d'IV à 31. Malheureusement, hein, on n'avait pas de chance d'avoir des IV garantis. Donc c'était vraiment full random. On a... rien eu. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne si tu me découvres avec ce contenu et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de tout ce qui sortira bientôt. Rejoins-nous sur Twitch et les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. D'ici là, prends soin de toi bien sûr, au revoir et des bisous.